Je t'ai aussi demandé là, c'est parler du dispensaire. Il fallait qu'on a oui. Il aurait dit le dispensaire des Arocos. Maman me demandait c'est situé où. Ils ont pris note. Parce que l'église, quand elle est quelque part, doit apporter le développement. On ne peut pas parler de développement sans santé. Non. J'ai dit que je suis dans un village où je réalise que j'ai un dispensaire. Il a parlé de la vie. J'ai eu un infirmier. Il a encore le pas ouvert. Moi, j'ai le beaucoup. Amen. C'est là que par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait la grâce. Peut-être que ce n'est pas ce week-end, mais il y aura le week-end prochain, parce que le dimanche, nous avons une cérémonie. Mais nous allons vous montrer ce qu'on appelle l'amour. Nous allons vous donner l'argent. Devant vous tous, avec mes relations, trouvez un peu de fonds pour réhabiliter votre dispensaire. Il n'y a pas besoin de l'État pour ça. Vous voyez ça. Il n'est pas considéré car. Le chef du village. Parce que je ne veux pas assister à des morts ici. Il n'y a pas un travail. Pour que le dispensaire sorte. Ils vont trouver les moyens par la grâce de Dieu. Il y a une cérémonie ici. Je vais remettre l'argent aux hommes à démarrer. Pour réhabiliter le dispensaire. L'église ne doit pas seulement tendre la main. Par où on va se dire. Mais l'église doit apporter. Jésus ne faisait pas que guérir, mais Jésus a nourri des gens. Alors, si je suis quelque part, je dois apporter le développement. Donc, c'est là. C'est à cause d'être connu ici. Dans sa cour. J'ai pas même sa cour en tout de sa cour. J'ai déterré un canari. Et ça devient vie de l'homme. Comme ça, elle a été guérie. C'est bien, il y a un. On ne s'est jamais vu physiquement. Ah, mais le travail a été fait propre. Mais il est venu rendre témoignage. Nous, il a d'abord dit Yoka. Et Dieu nous a convaincu de rester à Zaroko. Depuis je suis à Zaroko. Et quoi est Zaroko? Les jeunes ne m'aiment plus. Il n'y a plus au bout. Celui qui dit c'est faux, on n'a qu'à les voir. Donc voici le combat qui nous menons. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous attendent. Moi, jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui, je vais toujours combattre la sainteté. Au pire de ma vie, même s'il faut que je me retrouve en prison, je combattrai la sorcellerie. Parce que mon père est mort de ça. Mes parents sont morts de ça. Et j'ai vu Jésus. Jésus. Il m'a confié cette mission. Que tu veux ou pas. J'accomplirai cette mission. C'est pas une personne qui m'a appelé, c'est Jésus. Je dis à l'homme, connais-vous. Après le travail, c'est pas une personne. Donc, tout ce que vous allez m'en dire dans le secret, vous verrez dans le secret. Amen. Le combat que vous allez mener contre moi. Saul de Tasse l'a fait. On va rendre un service à Dieu. On va combattre l'église à Damas. Jésus. Nous avons. J'ai un témoignage. Ici à Zaro. Les gens mourraient. Parce que là où la sorcellerie est combattue, la criminalité spirituelle s'arrête. Après, vous avez dit, vous voulez. Parce que quand ils mangent, moi, je vais aller quand. On les appelle mangeurs d'art. On les appelle mangeurs d'art. Ce qui est dit, avant de combattre quelqu'un, Jésus dit, même si vous ne croyez pas, moi, croyez à vous, des œuvres. Amen. 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 L'homme a droit à la vie. Oh, l'homme a droit à la vie. Oui, l'homme a droit à la vie. Il est normal, n'a pas de prénom d'ailleurs. Toutes les organisations au monde aujourd'hui, l'homme a droit à la vie. Mais il y a une criminalité. Mais oui, les gens ne prennent pas compte. Les vies spirituelles, il existe. Et nous avons ce pouvoir. Nous avons reçu ce pouvoir de Jésus. Arrêter la criminalité. Nous sommes en train de faire. Nous n'avons jamais frappé les sorciers. Nous les délivrons d'ailleurs. Dans mon équipe, il y a des ex-sorciers. Ils sont avec vous. Il y a des gens que je soutiens. Ils ont donné l'argent pour faire des commerces. C'est quand ils sont délivrés. Ils devaient culturer à leur maison. Amen. Donc c'est à cause de cette date que nous sommes entrés à Zaroko et que nous sommes à Zaroko. Nous, c'est pas facile. Parce que moi-même, je me combat. Amen.
avant vous tous. Avant même rendu service à cet âme. Et comme vraiment élevé nous. J'ai été l'objet de beaucoup d'attaques. Et il y a eu un de moi, c'est beaucoup. Voilà, vous. Et mais moi, c'est comme ça. Mais il n'y a pas. Je sais où je m'en vais avec Dieu. Et il est là, comme non. Je sais où je m'en vais avec Dieu. Il est là, comme non. Parce que pour moi, avec l'homme a droit à la vie. Quand l'homme a pu. Voilà, l'homme a droit à la vie. Quand l'homme a pu. Elle est rentrée, elle est venue aussi son village. Oh, non, comme elle est venue. Moi, Zaroko, c'est pas chez moi. Là, on est un béné. C'est ce que les gens doivent savoir, c'est pas chez moi. N'a pas vous. Je cherche les moyens pour réhabiliter vos dispensaires, c'est pas chez moi. N'a pas vous. Là, tout. Mais maintenant, les gars, il y a la sorcellerie, c'est pas chez moi. N'a vous. Mais l'homme a droit à la vie. Paul, non, on a prouvé. Je peux même rester à Abidjan. Il veut plus y aller. Je suis à Abidjan, je n'avais pas un bout de temps d'ailleurs. Je suis là, partout à la fois. T'es un peu comme prêt. Mais pour nous, c'est un message très bon dans nos enfants. Il faut que nos villages soient évangélisés. Il faut que nos villages soient évangélisés. Il y a d'autres qui disent n'allez pas au village. Si vous ne partez pas au village, pour évangéliser nos parents, ils vont changer. Ils resteront dans la sorcellerie. S'ils sont sorciers, libérez-les. C'est ça que je suis allé à Grand, on m'invite à Grand. Et j'ai dit, si vous mangez l'homme, hein, voici Choubouyavé. Venez, vous allez me prendre. Vous allez me détacher, me manger. Premier jour. Deuxième jour. Soyez. Et nous voyons nos sorcelleries là. Ça a des limites. Vous avez faim, non? Oui. Hein? Vous ne pouvez pas répondre. Mais venez me manger. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont pas pu me manger. Voilà, il n'a qu'à venir. On a détruit les dragons. Voilà, les dragons en train de nous. Et j'ai dit aux gens. Il y a quoi là? Allez sur le village. Amen, allez. Amen. Amen. Allez développer vos villages. Amen, allez, allez. Ils ne vont pas du nom maintenant aujourd'hui. Mais attends, vous venez à Yazoni. Non, le pasteur dit pas l'autre. Celui qui est le pasteur qui vous dit. N'allez pas au village. Amen, il le connaît. Mais il faut évangéliser. Là, vous dites, dis-moi ensemble. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la sorcellerie. On est comme eux, on est zoé. Il a paru le sorcier puis aller te manger là-bas. Et comme les bougarnes ils ne maîtrisent pas la sorcellerie. On est bougarnes. Ils sont. Amen. Amen. Et quand on a Jésus-Christ, on ne doit plus avoir peur des sorciers. Et quand Jésus gagne la peur des amis, c'est là. Amen. Amen. La Bible dit que ce qui est en nous, plus loin avec moi, mais plus fort. Et quand tu que ce qui est dans le monde, il faut que tu ce qui est en nous, et pas aimer le Saint-Esprit. Fort. Et la sorcellerie. Moi j'ai vu les sorciers qui m'ont regardé, ils sont tombés. Ah mais hier, on va pas t'amener le mot. Ils m'ont regardé, ils sont tombés. On va t'amener le mot. Tirez six mois, ça n'a pas marché. On va un peu les ça la puissance de Jésus. Mais le Jésus, c'est Dieu. Amen. Amen. Nous devons entrer dans nos villages. Et là, c'est ça le combat. Mais la table, je n'ai jamais dit à cette femme, mais pas pied au village. Mais non, rien. J'ai dit, je m'arrête chez toi. Non, non, bien. On a libéré sa maison. Parce qu'il a dit d'accord. Je suis là. Bien connu. Depuis que nous sommes aujourd'hui ici. Les gens ont le courage de venir à Zaroko. Zaroko est devenu un lieu de pèlerinage. Et pendant les vacances. Heureusement que le dimanche sera la finale. J'ai organisé moi. Les amis sont parce que moi je suis chant. Mes morceaux sont imposés. Permettent. Nous sommes en train de préparer un Zaroko futur. Oui. Des gens qui vont aimer le village. Ils vont venir construire le village. Ils d'abord pour aimer le village. Donc nous sommes en train de préparer. C'est ça le problème de l'Afrique. La relève, on s'en fout de ça. Les gens ont peur. Quand quelqu'un a envie, il a peur, il dit à son fils de ne pas faire ça. Oh non, mais allez mon gars. Mon papa m'a jamais, nous a jamais de problème. Non? Et lui, il a jamais amené à l'eau. Son village, lors de son enterrement. Il est arrivé tout, il est arrivé tout. Nous avons des grandes richesses dans nos villages. Nous avons des grandes richesses. À Calais, oui. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, voici une sédition des Blancs. Les Blancs ne sont pas aux gens, venez au Canada, vous voyez les gens qui ont travaillé. Mais chez nous, il y a des chômeurs. Oh, mais quoi, 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 quoi. Il y a des chômeurs là-bas. En quoi, non, non, non. Mais ils veulent prendre un bras valise. C'est un autre gars qui ont des connaissances. En quoi, il y a des armées là-bas. Il y a des contrôles, les gars. Il y a des contrôles, les gars. Il y a des contrôles, les gars. Vous avez les diplômes, venez à travail. Un corps, un corps. Il n'y a pas de chômeurs. Deuxième coup. Quoi, et quand vous allez là-bas, vous mettez dans des conditions. Ah, d'accord, il y a des armées.
On montre que les Africains sont dans les arbres, sont dans les saints. Il y a des serpents. J'ai reçu des enfants qui venaient de Londres. Ils ont dit en Afrique, il y a des serpents. Les gens sont dans les arbres. Comment les gens présentent la vie? Et c'est le combat que nous menons. Il faut que notre Afrique soit délivrée. Nous, aussi, arrêtons nos comportements sur des saints. On se comporte très mal. On veut manger l'autre. C'est comme la gêne. Arrêtons un peu pour être à l'aise. Ne donnez pas raison au plan. Imaginez un homme dans une case au village, je veux le détruire. Il est le comportement des saints. Donc voici le combat que nous menons d'ailleurs. Je suis l'objet de beaucoup d'attaques. Voici le plan spirituel. Voici le plan physique. On m'attaque. Moi je suis dedans. J'ai fait ça avec passion. Même si on me dit arrête, je ne vais jamais arrêter. Si on demande de tuer, je vais arrêter. Je dis tue-moi pour ça. Je suis le ciel. Amen. Amen. Moi le ciel, la mort m'était un gain. Je meurs, je m'en vais au ciel. Et tant que j'aurai le souffle de vie, je serai toujours utile au Seigneur pour sauver les enfants, pour aller dans le village, délivrer les gens de la sorcellerie. Moi je me lève matin, mon plan que je fais c'est pas tout. J'ai dit au diable, moi mon travail là, c'est pas pour toi, je n'ai pas fait. Dieu m'a fabriqué à cause de toi. Il n'y a pas autre langage. Bon, quand il me lève ma tête à cause de toi, je me suis réveillé. Bon. Pour t'attaquer. Et non, quand vous. Amen. Oui, parce que la Bible dit oui, les chrétiens et la deux forces au monde, oui, le lié et le délié. Sera délié. Ce que vous liez sera lié. Le diable dit c'est pas Dieu, on parle de mon groupe. Aujourd'hui, avec le travail qu'on a fait à Gros, les gens ont le courage, l'envie même de venir dans leur village. Nous les encourageons à venir dans leur village. Et c'est ça. L'Afrique a besoin de se développer. Amen. Donc, voici Elisabeth, que Dieu te bénisse. Je reçu aussi, voilà, que te bénisse. J'ai reçu Flora, elle est de Londres. Il y a un mot d'or, Flora. Pour les gens qui nous soutiennent, on acclame Flora. Pour les gens qui nous mettent tout le monde, oui, bon. Vous pouvez vous parler d'une vidéo, oui, bon. Qui chante nos chansons. Oui, bon. Elles ont décidé de venir. Oui, bon. Voilà, Flora, que Dieu te bénisse. Oui, bon, bon, bon. Parce que c'est plus bas. Il y a plus bas. Voilà, plus beau, c'est bien de Londres. Oh, non. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Demain, ils ont le plaisir de voir Zaroko. Ils sont là pour les aides et puis connaître aussi Zaroko. Vraiment, que Dieu bénisse. Il y a aussi Philippe. Philippe, moi. Il y a mon fils spirituel. Oh, là, où est-ce que Madame Gabriel, c'est qui? Bien, oui. Je te connais pas. Ah, c'est quoi? Tu viens d'Italie, c'est ça? Ah, d'accord. On acclame le Seigneur. Bon, okay. Ah oui, elle on l'a présenté. En fait, c'est une équipe qui nous soutient depuis la France. Ouais, moi, quand même, la vacance. Donc, nous sommes suivis par 162 pays. Yeah, 162 pays dans le monde. Oui, chaque jour, il y a le nombre de vues. La France, il y a eu 26 000 vues. 26 000 vues. Et c'est depuis qu'on a commencé à parler de la sorcellerie. Et les gens commençaient à regarder nos vidéos. Ouais, et ils ont commencé à répondre confiance à la vie. Parce qu'au départ, quand les gens, après la sorcellerie, depuis mais après la sorcellerie, ils commencent à regarder nos vidéos. Ils ont compris qu'il fallait Jésus-Christ dans leur vie. Et qu'on peut être, Dieu peut nous donner la force. Nous avons aidé beaucoup de personnes comme ça. Aujourd'hui, même le Brésil a pris notre appel, l'Australie a pris notre appel, j'ai profité pour saluer tout le monde. Même Madame Yahweh, il pense aujourd'hui la voir. Madame Yahweh, c'est quelqu'un qui suit nos vidéos, qui suit un peu nos activités. Voilà. Amen. Il y a des gens souvent qui nous attaquent, qui disent ah,
vous faites passer les enfants aux aveux, mais là où dit qu'il tue. Je ne suis pas allé le chercher. Il dit, il a tué maman. Alors, il dit, il a tué papa. Alors, il a tué ta. Il vous dit qu'il se maltraitant sans fou. C'est qui en lui tue. Donc, moi, vous en nous qui délivre. Non, les enfants parlent, mais ils parlent. Parce qu'il est malade. Oh, il dit qu'il mange. On le lit quoi. La chair est belle. On le lit quoi. Souvent, je suis choqué quand je vois le c'est les gens. Et il voit ça comme maltraitance dans moi. Et puis, voyez là-bas. Il est tout enfant maltraite. On le délivre. À ça, à dire un esprit. Au cas où vous comprenez, ça existe chez vous. Et en un pied. Laissez-nous débarrasser de boulots. Arrêtez vos histoires. On n'a jamais maltraité un enfant ici. J'ai organisé pour la première fois à Bleu-Nouvel dans ce village. J'ai dépensé 1,3 million. J'ai donné des cadeaux, des jouets. Les papas Noël sont venus dans le village. Ici dans ce village. Non, je n'ai jamais maltraité l'enfant. Et c'est la soirée des 30 enfants. Ici. Oui, je coupe pas envie de dire. Et père, je vais te. Nous, on ne maltraite pas l'enfant. Si les sorciers, on les délivre. Mais quand vous gagnez, moi, je suis désolé. Si les sorciers, nous allons les délivrer. Parce qu'un sorcier mange. Au télé. Amen. Donc vous êtes à Zaroko. Là, quoi, Zaroko. Ici, c'est la brigade anti-sorcier. Brigade anti-sorcier, oui. Dites pas amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. C'est la brigade anti-sorcier. Nous luttons contre ce mal. Après, vous allez vous faire parler sur le christianisme comme chrétien. Notre ministère, c'est un ministère d'évangélisation. Le ministère de la compassion des âmes. Il faut avoir la compassion pour être ici. Donc, tous ceux qui sont déplacés pour être assis à Zaroko, vraiment que Dieu bénisse. La compagnie. Dieu, on le cherche. La compagnie. Dis à quelqu'un, Dieu, on le cherche comme mon cher là. Dis à quelqu'un. Ben oui. Pour que le nom, pour que Dieu bénisse Abraham. Il y a des sacrifices. Dieu même pour sauver l'humanité là-dedans. C'est ce qui est dit aux gens. Comment vous cherchez Dieu? Mais il y a quoi? Vous ne le trouvez pas parce que vous ne le cherchez pas très bien. Abraham, non, nous gagnons. Amen. Amen. C'est pas facile. Eh bien, ouais. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé quand ils allaient. Ils disent non, ça va. Voilà, j'ai peur. Mais en termes, les messieurs, ils m'ont demandé qu'on allait manger. Moi, quand il dit, il y a non, Zaroko, là, vraiment, on a peur. Zaroko, oui, non, on a gagné. Vous imaginez, vous êtes les sorciers. Ah, putain, vous êtes là. Ne m'en pas sauter pour être nous manger. Voilà, brisez la gagne, il gagne. Il est ici. Non, bien, bien. Bien. Il n'y a pas de sorcier qui va manger. Vous gagnez encore, quand il dit, dis amen. Merci. Ils sont tous désactivés. Quoi, quand ils arrivent, il faut attendre que les gens aient été. Quand ils arrivent ici. C'est fini. Eh bien. Tu dis pas amen. Amen. Vous allez ici là. Wakapi, il y a. Nous sommes en train de préparer un Zaroko futur. Zaroko, c'est quand même Zaroko à vous en dire. Vous, les femmes, on va là, on va leur promettre. Oui, mais regarde, regarde, ça se passe à l'école. Oui, mais regarde, 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 regarde. On construit Zaroko. Voilà, c'est ça. Mais bon, on va en train de préparer Zaroko. Mais à vous, ça va être de la relève. Donc, on dit Zaroko. C'est maintenant qu'on fait dire aux gens, il n'y a plus de sorciers. Je vais aller voir. Parce que même qui cette expérience. Oui, oui, oui. Depuis un certain temps, ça fait plus d'une année, là, non, mais... que les jeunes ne font pas comme ça. Ils sont tombés en cascade. Seigneur, avoir fait beaucoup. Ils sont s'arrachis. Gardez dans mon. Step Jay. Voilà là. 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 Ça y est, c'est tout la région, toute la région qui vient manger. Voilà là. Voilà là. Voilà là. Ils mangent sauce graine. Quelle sauce encore? Djumblé. Djumblé. Djumblé d'en haut. Oui, arraché, il y a été arraché. Quel jour? Au père Chir. Au
Mais il peut être deux personnes qui mangent. Nya, nya, ça c'est les dieux qui les mangent. C'est des coins là avec coins nya, nya. Là, ça donne assez de force. F pour tout et nyam. Donc, fils, encore une. Amen. Nous avons délivré beaucoup de personnes. La seule chose que je vais faire, c'est donner vos vies à Jésus. Mais bon, je vous assure. Et effectivement, je vois le combat que je mène chaque jour. C'est par Jésus. Et dès que Jésus est resté déjà non mort, je vois des esprits moi. Je vois des esprits. Il y a des esprits, je vois des esprits. Il y a des démons, il y a des esprits, quand vous les voyez, vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. Si vous n'avez pas notion de Dieu. Sauf qu'il y a des personnes, un matin, quand c'est là, ça devient fort. Parce que je vois des esprits. Ça, vous avez besoin de prier. Le monde entier m'attaque. Je viens d'expérimenter quelque chose. J'en profite pour dire aux gens, ceux qui suivent, nous suivent sur le YouTube. Moi, j'ai dit aux gens, je ne suis pas sur le Facebook pour faire amitié. Non, je suis. Vous vous enseignez l'évangile de Jésus. Et pas la bouddhiste à Jésus. Il m'a parlé de camaraderie là-bas. Non. Vous vous enseignez Jésus, c'est tout. Et pas parler de Jésus. Ça fait une semaine. Les gens commencent à me lancer les photos des images des homosexuels. Donc j'annule. Et il y a une personne qui est venue, qui s'est pris comme un mystique. Okay, je l'ai pensé à l'évangéliser, je l'ai enlevé de mon page. Quand je l'ai enlevé de mon page, ils ont fermé ma page. Donc maintenant, les Facebook me demandaient mon nom propre. Parce qu'ils voulaient me maîtriser. C'est quand j'ai donné le nom. Actuellement, ils ont mis, c'est tout mon nom qui est sur le Facebook. Ils ont les prophètes. Ça fait plus de 2 fois que je fais ça. Moi, je suis prêt au combat. Amen. C'est comme ça que je suis. Parce que je dénonce la sorcellerie. Et je dis, c'est tous ces plans. Mais, il dit, l'homme a trois la vie. Il ne peut pas utiliser les pratiques mystiques. Après, il y a encore plus la vie des gens. C'est comme ça, je suis prêt à vous dénoncer. Il y a même pas de vie. Donc, le combat que je mène n'est pas facile. Oui, non, il n'est pas peur de personne. Il sort le combat. Je respecte, mais je n'ai peur de personne. Il sort, mais il sort de peur me frayer. Qu'on a ça, il y a non. N'est-ce pas, Nico? J'ai peur de Dieu. La gomme, on sort de Dieu. Mon devoir, la gomme. Au contraire, quand tu m'y as censé, tu n'es pas, je suis prêt à aller l'attraper. Et quand vous avez dit, il y a un mot dans un cadre de la pour le délivrer. C'est comme le fait ans. Je ne sais pas ce qui peut me frayer. Il y a des événements, il y a j'ai déjà vu tous les génies. Il y a des tribus, oui. J'ai déjà vu tous les sorciers. Et dans vous, oui. Amen. Amen. Donc si vous avez Jésus, donc, je dis que vous devenez choubouillant poisonné. Est-ce ton odeur, n'est-ce ça fait tomber sur vous. Pas le Amen. Amen. Qui a peur du sorcier? Hein? Oui, merci. Si tu es honnête. Amen. Il faut le suivre. C'est tout. Mais bon. Tu as Jésus. Il faut que Jésus. Il y a aussi des grandes choses pour toi. Il y a une jeune fille qui a été délivrée de la foudre. Il me voit hier là.
Yayo, verme. C'est toi. Bien. Vous êtes allé à la fête trois. Ça fait combien de mois d'ancien? 3 mois. Qui l'a connu ici? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle est sortie de chair. J'ai rien contre tes images. Demain, on fera la grâce de voir ça. Amen. Oui, on a la vidéo. On a la vidéo. Ah, il dit qui est? Tu l'as connu? Oui. Qui l'a connu ici? Ah, il m'a appelé. Qui l'a vu? Ah, il est là. Tu as dansé sous Blou, tu as dansé Polier, tu as dansé à Combor, toutes sortes de danses ici. Il est quoi, vous voyez, dit? Tu nous as insultés. Bon, plus de ça. C'est toi qui est comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ok. Viens. Tu as honte aujourd'hui. Tu as honte. C'est que tu faisais là-bas, ta honte. Tu es délivré. Oui. Hein? Oui. Tu es convaincu, tu es délivré. Où est tes parents? Viens, viens, voilà. Retourne-moi. Oh non, retourne. Elle dort. C'est son père? Oui. C'est ta fille? Oui, oui. C'est son nom? Oui, c'est son nom. Oui, d'accord. Je n'ai pas répondu. Tu sais ce que tu as fait? Tu nous as insultés. Tu nous as cailloux. Tu étais sur tout le monde. Non, mais on a un peu d'année dernière, t'as cassé les tuyaux, t'as fait des toits et t'as pris un peu. T'as cassé ma couche. Ouais, vas-y. Tu vois son échange. T'as quelque chose à dire. Merci. Ok. Merci. C'est tout, hein? Il n'y a plus de mots à dire. Il dit merci, c'est tout. Son état. J'ai demandé aux gens de ce soir, ils vont faire isoler ça la vidéo. Vous allez voir la vidéo. Comment elle a repris Singapour? Elle a fait. Mais je ne pas trois mois. Quel temps? Bien, il y a quoi? Une fois, très avancée. Le, on est vers. Elle était appréciée. En tout cas, on parle. Et Jésus l'a délivré. Aujourd'hui, là, on se mettait les gars, les gens, on s'en allait, oui, on est venu. Où ça, là, c'est les chers, c'est les chers, c'est les. Oui. C'est... Ouais, c'est les chers. Ça va? Ciao! Est-ce qu'on peut acclamer les amis? Quelle honte! La cordille! Diwa, 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 Diw
tout cas, quand je vois mon petit, je remercie toujours pour ses c'est dans les chaînes. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je marche avec. Balayima! Balayima! Yeah.
Alléluia. Laroco, c'est un lieu de miracle. Au Saint-Seigneur de Laroco, c'est un endroit où vous faites des grands miracles. Alléluia. Amen. Comme toi, le carreau de voir des mères dans la vidéo. Zéka, il va aller ailleurs. Papa, comment tu nous as-tu? Il faut être très avancé. Et on y a avec le jeune homme. On a mis le centre, on a plus de fou. Hein. Ah, d'accord. Et si tu es guéri. D'accord, tu es guéri. D'accord. Oh, il y a un baignon. Amen. Le coup que Jésus est présent. Et vous parlez de la vie, je connais. Je suis venu avec votre femme. Ça va? Non, non, oui. On peut être très enflé, c'est ça? Allez, bien, bien. Le témoignage. Le cou était enflé, comme ça. Vous êtes enflé, hein? Amen. Voilà. Moi, un jour, la nuit, je vois que, en rêve, les gens sont en train de tirer mon cou comme ça. Et le lendemain, il me lève là, je ne peux pas avaler. Et à même temps, je suis tombé malade, je ne peux pas manger. Vraiment, ce n'était pas facile. C'est Dieu seul qui m'a sauvé aujourd'hui. Et mon mari m'a appelé, je suis venu ici. J'ai fait. C'est vous qui faites ça? J'ai fait 4 jours ici, et puis ici. Ça a été guéri combien de jours? J'ai remercié mon Dieu. Ça a été guéri combien de jours? Hein? Combien de jours? 4 jours. On acclame le Seigneur. Elle avait le cou très enflé. C'est pas fini. C'est quel est fini? Je suis Yacouba. Chante en Yacouba. Donne un chant chrétien. Yacouba. Tu peux t'aider. Ah, renfort, hein, renfort. Bye-bye.
n'est pas venu à notre secours, on ne peut pas les sortir, ils vont nous avoir. Que lui, Dieu des orphelins, Dieu des veuves, Dieu des enfants, il n'est pas venu à notre secours. On va sortir, on va manger. Est-ce qu'on peut nommer Jésus, venez s'asseoir? Allez vous asseoir, alléluia. Son miracle, c'est pathétique. Elle est venue avec le cou très enflé. Et je suis attaqué son miracle. Son mari ne le croyait pas. On lui disait, Dieu va guérir ta femme. Non, il ne croyait même. Jésus vient de la délivrer. Donc, pour ça, Jésus va te délivrer aussi. Jésus est une bonne. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Allez-vous dire. Nous allons prier sérieusement tout à l'heure. À Kaboubié, quel est ça? Nous allons prendre les gens en témoignage. Il n'y a rien quoi, la police. Maman, il n'y a rien à voir, Dieu n'est pas loin de toi. La police, vous êtes là. Nous allons prier ce matin. Allez, dis-le, Kaboubié. Tu vas adresser une parole à Jésus. Et nous allons jeter ça. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Et je dis, non, là. Mais quiconque invoquera le nom de Jésus. Non, 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 la police. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Allez, je dis, non, là. Tu vas commander aux esprits. Aux esprits qui t'emmerdent. Exactement. L'esprit de la sorcellerie. L'esprit de l'instabilité. L'esprit du célibat. L'esprit de la pauvreté. Commander à ces démons. Lâcher ta vie. Il a prié, il a invoqué Dieu. Que le